Bien, aujourd'hui, c'était la présentation du projet de loi finance en commission des finances par Bruno Le Maire et Gérard Darmanin. Il était attendu, ça fait des jours qu'en réalité, il a filtré dans la presse. Donc, on a eu confirmation que c'est un projet de loi qui a pour but de favoriser les revenus du capital pour, dit-on, relancer l'investissement et relancer l'emploi à venir. Bon. On nous dit que c'est une rupture. On constate qu'en réalité, c'est une politique qui date d'il y a longtemps. Ça fait une trentaine d'années qu'on nous dit que c'est ce qu'il faut faire, que ceux qui sont pour une politique de l'offre favorisent cette logique. Je vous rappelle que le premier à l'avoir théorisé, c'est le chancelier Schmitt en Allemagne. Ça ne nous rajeunit pas dans les années 80, qui expliquait que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Bon, la conséquence, on la connaît, c'est que le chômage augmente, les investissements baissent et par contre, les dividendes explosent, notamment en France. Donc ça, c'est la première logique du gouvernement que nous combattons. Et la deuxième, c'est effectivement une politique d'austérité très très forte, hein, moins 16 milliards cette année en termes de dépenses publiques, qui répond aux injonctions de Bruxelles, de Berlin sur cette fameuse règle d'or. Et autour de ces deux mesures, eh bien, on a tout un ensemble de catalogues qui, par exemple, va faire en sorte de baisser le budget du logement de 1,4 à 1,8 milliard, le budget du ministère de l'Emploi de 1 milliard. Les dépenses de santé de 5,5 milliards. Autant finalement de secteurs qui sont des secteurs vitaux, non pas seulement pour l'économie, mais qui sont des secteurs vitaux pour la vie de tous les jours des Français, qu'on va donc amputer considérablement. C'est aussi, contrairement à ce qu'affirme Édouard Philippe, 13 milliards de moins pour les collectivités territoriales les plus importantes dans les 5 ans à venir, et qui là aussi vont avoir des conséquences, surtout que ça s'ajoute à la suppression des emplois aidés. Et puis une fiscalité incroyable qui est au service des plus riches. L'OFCE estime que les 10% les plus riches vont bénéficier de quasiment à eux seuls de la baisse, des impôts et les 1% les plus riches à eux seuls de la moitié de ce chiffre, c'est-à-dire plus de 1 milliard. Rendez-vous compte qu'à côté de ça, un retraité qui gagne 1 200 euros verra son niveau de vie amputé chaque mois, que les fonctionnaires verront geler leur revenu. Et que pour tout le monde, on nous dit qu'on augmente la CSG. Alors on nous dit, ah, vous inquiétez pas, c'est pris sur les cotisations sociales, sauf que vous savez très bien que les cotisations sociales, c'est du salaire socialisé. Donc en réalité, c'est un vol pur et simple. Toute cette fiscalité est au service des plus riches. Pour terminer là-dessus, on essaye d'enrober tout ça d'un grand plan d'investissement, nous dit-on. Et ce plan d'investissement que le Premier ministre a annoncé à 56,7 milliards, quand on gratte, on s'aperçoit que pour une bonne partie, ce sont en réalité des fonds qui avaient été engagés, des crédits déjà alloués. Ce sont des instruments financiers, ce que d'ailleurs Bruno Le Maire, en me répondant tout à l'heure, a admis. Donc en réalité, c'est 24 milliards seulement qui va être mis sur la table d'argent frais, la moitié moins que ce que Emmanuel Macron a annoncé pendant sa campagne présidentielle. Et encore, faudra-t-il que ces crédits annoncés soient réalisés. On sait très bien qu'un des tours de passe-passe pour enrober un budget, c'est que vous mettez beaucoup d'argent dans l'investissement, mais ces crédits ne sont pas forcément réalisés. Au final, c'est un budget d'austérité qui risque non seulement de développer l'injustice dans ce pays, qui va être très très mauvais au niveau de la relance et de l'activité économique, parce que je vous rappelle que les dépenses de l'État, c'est aussi des recettes dans le PIB, et puis c'est un budget qui favorise les plus riches et les détenteurs du capital. Bref, la politique qu'on mène dans ce pays, mais depuis des années, mais là, vraiment en pire. Voilà, c'est une politique, une fois de plus, à combattre. On va la combattre au Parlement, on fera des contre-propositions, mais aussi la combattre dans les semaines à venir, comme la loi travail et autres mauvais coups du gouvernement.